Bonjour, je vous retrouve pour un mini haul action. Donc j'ai trouvé un Paper Craft set. Donc je l'ai pris en deux exemplaires. Parce que je trouve qu'avec un, c'est pas assez pour faire un assez gros album. Donc j'ai pris celui-ci. Alors je vais vous faire voir, je l'ai ouvert à l'avant. Donc il y a les petits grelots avec la ficelle. C'était 1,20 € je crois. Ça doit être ça, oui. Donc les petits stickers que je trouve très beau. Ça fait beau le renard blanc comme ça. Après, il y a les papiers en 15 par 20, recto verso. Bon, j'adore le bleu, le violet pour Noël, pour bah, enfin, c'est plutôt l'hiver. Et ce fond, il est très beau. Après, il y a les tags. Donc, je rangerai après. Après, il y a les die-cuts. J'ai été Action Louvrage. Et il y avait... Il me semble tous les exemplaires, mais il y a... bah, c'est celui-là que je préférais. Je verrai si je prends les autres après. Parce que j'adore le paper block aussi avec la voiture devant en présentation et celui avec bah, pâtisserie cuisine. Donc je verrai bien. La prochaine fois quand j'irai. Donc c'est bien parce qu'il y a un peu de tout et pour faire un album, c'est vraiment pas mal. Il est bien épais le papier. Bon, ça, je trouve pas trop que ça va avec les verres, mais bon. Ça non plus, mais... C'est quand même mieux qu'avant les blocs d'action. Avant, ils mélangeaient un peu tout, mais maintenant, c'est beaucoup mieux. On va pas se plaindre à ce prix-là. Je rangerai ça tout à l'heure. Donc, j'en ai pris deux. Et j'ai pris que ça. Je cherchais autre chose, mais je ne les ai pas trouvés. C'était les dies de Noël. Et les dies. Bah, les nouveaux, je ne les trouve pas. J'ai fait deux actions et je ne les ai pas encore vus. Donc, je verrai la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.